Mais là, on voit des jeunes qui ont fait des bitins. Faut mettre à l'honneur, faut valoriser. Yo. Alors, qu'elles ont parlé pour prévoir quand jeunes Guadeloupe, parce qu'ils ont pas quatre là, yo, là nous pourrons montrer tout le monde. Hein? Quand jeunes Guadeloupe café. Big up Zébris à la réalisation, big up Jordan. Alors, qu'elles ont fait zoomer tout de suite, bambre. Montrer quand jeunes café, bambre, parce que. Voilà. Avec les masques, voilà. News. Hein? Et là, son exclusivité. Hein? Boudou, en direct. Regardez ça, Tiboy. Woy. Est-ce que tu peux regarder la caméra et montrer la créativité qui est en Guadeloupe, la beauté qui est en Guadeloupe, le talent qui est en Guadeloupe. Nous aussi, nous peut créatifs. Nous aussi, nous peut créer. Nous aussi, nous peut envahir le marché mondial, international, national. Eh bien, voilà. Voilà aussi, hein, parce que tu as dit, nous pas parler du Covid encore émission là, nous pas parler animal, on parler du Covid tous les jours, Covid. Eh bien non, j'ai là, nous caille parler de protect yourself, protéger, ouais non, de protection, nous caille déplacer les énergies négatives du Covid pour nous rendre positifs, c'est-à-dire, nous caille déplacer les énergies. On vient nous subir, nous caille attaquer de face. Eh bien voilà, coûtez pour tant pour comprendre. Alors comment tu t'appelles? Nathalie Yankiwa. Ah, Nathalie Yankiwa. Oui. Tu viens d'où? Je viens d'où? Du Lamantin. Lamantin, Guadeloupe? Oui, Guadeloupe. J'ai cru que tu sortais à... De l'espace? Non, je sais pas. Hein? Alors, qu'est-ce que tu portes? Alors, je porte un masque transparent qui me permet de vivre quelque peu normalement, malgré les contraintes du Covid. Alors, je suis très à l'aise. En plus, je peux me maquiller si je veux. Bon, j'ai pas eu le temps aujourd'hui parce que j'étais très occupée en train d'en confectionner pour la Guadeloupe. C'est un produit guadeloupéen. Radio 5 ans. C'est un produit guadeloupéen. Radio 5 ans. Guadeloupéen. Et je veux que toute la population se l'approprie. Moi, je ne suis que l'instrument. Hein, c'est vraiment la propriété de la Guadeloupe. Il faut vraiment que la Guadeloupe prenne conscience que c'est à eux. Nous avons besoin de liberté, nous avons besoin de lisibilité, nous avons besoin de respirer. Il fait chaud, on ne peut pas tout le temps avoir un masque collé à nos lèvres. Et puis on a besoin de se maquiller, on a besoin de se comprendre. Des fois, d'entre nous, on a besoin de voir si quelqu'un sourit ou pas, parce que les yeux, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de nous exprimer, nous avons du soleil. Nous, alors voilà. Pourquoi créer masque ça? Sans mentir, les yeux dans les yeux. J'aurais ta bouche et tout, ça fait plaisir. Hein? Alors, tu regardes la caméra, le micro devant toi. Pourquoi tu as créé ce masque? J'ai créé ce masque parce que j'ai besoin de retrouver une vie sociale normale. C'est-à-dire que les autres masques, ça t'emmerde bien, faut pas mentir. Oui, t'es animal. Oui, ou t'es jabon éveillé. Ça me plaît sur les lèvres. Et puis j'ai envie d'être coquette, j'ai envie de sourire, j'ai envie de. Voilà. Voilà. Donc, en fait, masque-là a adapté ce qu'il y a. Oui, tout à fait.
Ou quoi respirer bien? Ah, je sais pas, je suis à l'aise, je parle, voyez, de temps en temps. Et vous pouvez faire un paille, passer pour boire en même temps? Oh, oui, visiblement, bon, je peux me toucher. Non, parce qu'il faut bien comprendre pourquoi. C'est mon akazayo, il y a qu'à garder. Est-ce que tu peux prendre un modèle dans ta main aussi qui est sur la table pour bien montrer? Hein, parce que il y a qu'à. Alors, fais un gros plan si la famille, maman, s'il te plaît. Voilà, donc Masla, montrez-nous pour nous bien comprendre. La partie inférieure, la partie supérieure, et comment ils sont positionnés sur le visage. Le masque est composé d'acétate ou éventuellement de PVC. Tout le reste est en coton. Le fil est 100% coton, tout est en coton. Et la lanière aussi est en coton parce que nous avons beaucoup souffert avec... Nous avons beaucoup souffert avec les lanières, je sais pas, en élastique, etc. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont des rougeurs derrière les oreilles. Il y a un confort pas possible, ils sont pas à l'aise. Et puis toute la journée porter un masque, vous vous rendez compte? Donc moi j'ai remarqué le si peu de fois où je suis sortie que ce n'était pas possible. Et en plus j'ai peur du Covid. Je vous dis franchement, j'ai peur du Covid. J'ai des proches qui ont attrapé le Covid. Même si maintenant ils souffrent plus du Covid, porter un masque aussi c'est compliqué après le Covid. Avoir un tissu tout le temps, ils ont des difficultés à être à l'aise, à bien respirer. Donc je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose. Et comme j'ai peur du Covid, que je veux sortir, bientôt il y a le modèle étanche qui va sortir, je vais aller à la plage. Alors s'il vous plaît, on va équiper toute la Guadeloupe, aidez-moi. Alors bientôt ça, tu vas fabriquer un modèle étanche. Étanche, il est déjà là, hein, mais... Oui, est-ce que tu as déposé les brevets? Parce que là, nous, en direct, le monde entier qui a gardé nous, pour y'a pas fouqué, alors, est-ce que tu as déposé les brevets? Alors, j'ai fait le dépôt du brevet à l'INPI, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, mais tes masques sont protégés, oui. tes masques sont protégés. Mais ma femme m'a dit, bébé, je veux un. Oui, mais Doudou, mettez quoi? Ah, bon, même, mais madame, Doudou, je veux un. Alors, vous savez, je vais vous dire franchement, il y aura toujours quelqu'un pour plager. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai le sourire. Ouais. Donc on ne me voit pas, on ne me connaît pas, mais je suis très procédurière. Je me ferai une joie de faire le nécessaire pour défendre le produit de la Guadeloupe. Non, mais c'est important parce que tu sais, nous sommes en direct là, il y a énormément de personnes connectées là sur Facebook, mais énormément de personnes connectées en Guadeloupe. Et quand je parle de la Guadeloupe, je parle de toutes les îles de la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est pas Grande-Terre-Bastère seulement. Hein. C'est Grande-Terre-Bastère, Marie-Galante, les Saint-Claude-Désiré, tout ça. Saint-Marc-Saint-Barthélemy. Dans la Caraïbe, aux États-Unis, nous regardons, mais en France entière, à Marseille, gros bisous à Marseille, à Montpellier, partout en France, hein, plein de personnes. Tu ne crois pas? Ok, on prend un premier appel. J'aurais voulu qu'une personne de France nous appelle directement. On prend. Un premier appel. Je te dis là, tu vas travailler. Hein. J'espère que tu as déjà des commandes préparées parce que là. Je demande que ça. Et par contre, je vais passer une annonce toute particulière. Mm-hmm. Heureusement que, sincèrement, hein, que l'ADI m'a fait confiance parce que j'avais personne avec moi et j'avais peur de sortir de chez moi. Ils sont venus jusqu'à ma porte. Maintenant, je demande à tous mes compatriotes guadeloupéens de s'investir, de patienter, de me faire confiance, de faire le nécessaire. Mais surtout le gouvernement, j'ai besoin de vous parce que je ne peux plus. Ma maison est devenue un bureau d'études, je ne sais plus où dormir. On prend un appel et on parle. Allô? Allô? Bonjour, tu nous appelles d'où? Oui, alors moi je vous appelle du 93 à Paris. Le prénom? Vas-y. Alors oui, je suis tout à fait pour ce masque, mais malheureusement j'ai une petite question à poser à cette dame. Vas-y, elle t'écoute, vas-y directement. Est-ce que vos masques pour l'oublier? Parce que j'en ai vu tout à l'heure mettre vos mains entre les mains sont partant de micro déjà. Alors est-ce que pour cela, vous avez prévu de mettre un masque supplémentaire dans la mesure que les mains sont porteurs de microbes. Et ça me pose question. Alors je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez prévu d'améliorer un petit peu vos masques? En plus c'est très bien fait, c'est un produit 100% Guada. Mais pour moi, est-ce que ça sera des masques homologués? D'accord.
Alors, j'avais résumé un peu ta question. Tu me dis si c'est ça que tu veux savoir exactement. Est-ce que les masques seront stériles? Ça veut dire qu'ils seront, quand ils vont l'acheter, stériles dans une enveloppe, dans un truc, quoi. Je ne sais pas, un sachet, voilà. Stérile. Et est-ce qu'ils sont homologués contre le coronavirus? C'est ça, la question? Effectivement. Voilà, mais on te remercie, elle va te répondre. Merci. Boudoum. T'as vu, c'est un appel depuis le 9-3. Tout à fait. Ah ben voilà, alors, est-ce que tu peux répondre? Alors, oui, bien sûr, je peux répondre à toutes les questions. Il faut savoir que le masque est évolutif. Par rapport à la question que vous m'aviez, en fait, que tu m'avais posée tout à l'heure, volontairement, j'ai passé ma main. Mais franchement, vous n'allez pas faire ça. C'était pour vous montrer combien le produit était léger, combien... Non, en fait, je pense qu'il te parlait que tu as touché le masque avec ta main pour nous montrer. Alors, oui, alors je suis venue avec les produits que j'ai conçus de cette façon, mais il faut savoir une chose, c'est que quand je fais mes masques... chez moi, je suis sur des bureaux en laqué blanc, tout est en blanc, le reste est en cuir, il y a des plastiques, les masques sont livrés sous vide, et avant qu'ils soient livrés sous vide, il faut savoir que j'ai des appareils que j'ai acheté une fortune pour les stériliser à la vapeur. Je porte des gants, j'ai une blouse, j'ai une charlotte à la tête, j'ai des charlottes aux pieds, c'est pas comme ça. Là, c'est pour avant de vendre le masque pour bien restituer, tu as des appareils de stérilisation et en fait tu vends le masque sous vide mais dans les normes d'hygiène et de sécurité. Tout à fait. Et est-ce que les masques répondent à la norme? Alors, quelle norme? C'est un produit innovant. Alors si vous parlez de normes quant à la matière, alors il faut savoir que l'acétate et le PVC sont des matières qu'on a toujours vues évoluer dans le textile et dans le culinaire. Donc si ce sont des matières avec lesquelles on peut manger, cuisiner, etc., il n'y a pas de souci. Après, le coton, 100% coton pour le fil, 100% coton pour les tissus, ils ont été bien choisis avec des vraiment quelque chose de tissé, serré. Et au-delà de ça, une fois que la conception est faite, tout en sachant que chaque bordure contient 5 couches avec de l'acétate ou du PVC à l'intérieur, 5 couches de couverture, et c'est cousu très très serré. Et quand c'est passé à la vapeur, le tout fait corps ensemble, donc ça serre les fils. Alors, attention, warning, warning, là mon téléphone, l'espace de WhatsApp, Chica, Veillon, Chica, là, oui. Message qui arrivé, est-ce qu'on peut venir payer tout de suite? Alors, est-ce que tu as pour vendre tout de suite? Alors, ils vont t'attendre devant la télé, là, hein, tout le monde en veut. Alors, je vais vous dire. Alors, comment t'as contacté? Où entrer en contact avec toi, c'est Instagram, Facebook, Twitter ou numéro de téléphone? Comment ça se passe? Alors, chers compatriotes et habitants de résidents de la Guadeloupe, il faut savoir une chose, c'est que je n'ai que deux mains et une seule tête. Alors, quand vous m'appelez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, ils me disent merci, franchement j'en suis ravie, mais c'est pas à moi, c'est à nous. Alors quand vous m'appelez, je ne peux plus travailler, je peux plus travailler pour vous. Donc je vous propose de m'envoyer sur WhatsApp un lien qui dit c'est pour les masques transparents. À ce moment-là, je vous transmets des écrits, le protocole d'entretien, etc., le tarif, des photos. Hier soir, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai fait une nouvelle collection, vous avez remarqué certains. Je fais le nécessaire et là, je fabrique les masques pour vous et tout. Mais je n'irai pas sur 1000 médias, que WhatsApp, et comme ça, j'ai le temps de concevoir. Par contre, il faut savoir que par rapport à ce qui s'est passé sur une autre chaîne, un autre média, on m'a dévalisé, mais vous inquiétez pas, ça va se faire très vite. Non, ça va là, très vite. Là, ce que c'est passé sur notre média, là, t'as pas encore compris, hein. Encore une autre affaire, t'as pas bien compris. Allô? Là, je crois que tu vas pas dormir jusqu'à. Ah, je me demande jusqu'à samedi prochain. Je allô? Me demande que ça. Allô, allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Trois-Rivières. Le prénom? Marianne. Vas-y, Marianne, écoute. Oui, je voudrais m'adresser à mademoiselle qui est à côté. Je dis bonsoir. Hein, bonsoir. À madame. Elle t'écoute, vas-y. Oui, oui, elle t'écoute. Alors, je voudrais savoir combien ça coûte le masque là en ce moment qui est affiché sur la table. Alors, tous les masques coûtent 15 euros. Mes compatriotes, aidez-moi. Les fournisseurs ne veulent pas baisser les prix. La plupart des fournisseurs, il faut que je paye tout de suite. Si je veux laisser un chèque pour payer après, ils ne veulent pas. Mais moi, je ne demande pas à mes compatriotes d'avancer l'argent. Je leur dis, je conçois, après on prend un rendez-vous pour pouvoir faire la livraison. En plus, il y a le Covid, je ne peux pas tout accepter tout le monde en même temps dans le local. Ce n'est pas possible. Parce que si vous venez, en plus, je vous fais une charlotte, je vous mets des charlottes aux pieds, à la tête, un tablier, etc. Il faut bien faire des choses. Mais moi, pour fabriquer, il faut que j'aille chercher la matière première. Mais il faut que je paye tout de suite alors que je n'ai pas d'argent. Donc tout sort, mais il n'y a rien qui rentre. Donc ça fait
fait 15 €. Et si jamais les fournisseurs veulent bien faire un effort, écoutez, tout le monde est prié de me contacter, le gouvernement, etc. C'est à nous. Et à ce moment-là, je baisserai le prix. Je ne veux pas aller au-delà. Alors qu'on m'a dit d'augmenter le prix parce qu'effectivement, je travaille à perte. Mais je travaille à perte pour mon île, pour mes compatriotes. D'accord. C'est pas grave. Allô, la famille? Où t'as le prix là, 15 €? Oui. Ah, pas comprendre, pas les plus forts? Oui, c'est même prix là, prix de départ, comme il sorti ouvert à 15 €. Si après ça, il y a des aides, il y a des lapis, il y a des aides, mais pour l'instant, il y a 15 €. D'accord? D'accord. Boudoum. Boum. Alors, tu nous disais que, en fait, tu as été aidé par là? Par l'ADI. Bon, et après, pendant que tu es là, passe ton message. Tu veux lancer un message à qui? Je veux lancer le message à tous ceux que j'ai tenté de joindre et qui ne m'ont pas répondu. J'ai essayé des messages, on m'a dit qu'on va me rappeler, on ne m'a pas rappelé. Et puis, j'aimerais bien... C'est-à-dire tous ceux, c'est qui? Ben, j'aimerais bien rencontrer les membres du gouvernement pour qu'ils puissent m'aider parce que... Les membres du gouvernement, monsieur Macron? Ah ben pourquoi pas? Non, Macron. Tu veux rencontrer monsieur Macron? Là, on n'est pas dans tes PMD, on est chicanes. On va commencer par la Guadeloupe. Alors, qui tu veux rencontrer? Qui? J'aimerais bien rencontrer Chalus. En fait, eh bien, voilà, voici le micro devant toi, la caméra, là, envoie un message pour lui. Eh bien, monsieur Chalus, madame Lincertain et tous les autres, faites-moi l'honneur, s'il vous plaît, de me contacter pour pouvoir m'aider. J'ai cruellement besoin d'aide. Je ne peux plus vivre dans un bureau d'études. J'ai besoin d'embaucher du monde. Je ne sais pas comment faire. J'ai besoin d'argent pour créer. J'ai des petites ressources, mais j'en ai pas beaucoup. Vous en avez un peu plus que moi et vous avez certainement de bonnes choses à me proposer. La Guadeloupe a besoin de vous. Nous avons créé ça. Nous avons cela en Guadeloupe. Il peut être évolué. On peut faire plein d'autres choses. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de moyens. Numéro de WhatsApp, c'est quoi? 06 90 50 37 32. Ouais, donne-nous encore. 06 90 50 37 32. J'ai un fixe, hein, je suis dans le bottin. D'accord. Alors, 05 90 503 732. Voilà. Alors, c'est important parce que c'est grâce à l'ADI. Parce que Jean-Dla a mené l'ADI sur le plateau-là. Avec des exemples d'entreprises qui ont aidé. Parce que bien souvent, des gens qui disent Chica, nous obligeons votre entreprise. Vous ne pas aider nous. Nous avons contacté monsieur, madame XY. Nous avons contacté la banque. Pour nous pas avoir mon pour force. À ça finit un autre frère, un autre c'est qui bise montrer entreprise à yo. Oui, c'est vrai qu'il y a le Covid, mais il y a l'autre qui veut entreprendre. Donc, encore c'est vrai là, dit, il y a aussi plateau là, pour payer des autres entreprendre. Ok, donc nous montrons les autres, l'exemple d'un jeune qui lance, hein, qui combat le Covid, qui dit, bon, elle a eu une aide de l'ADI. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire à l'ADI en direct sur le plateau? J'ai envie de dire à l'ADI merci parce que l'ADI a été très accessible, très disponible et très à l'écoute. J'ai été très étonnée et je ne voulais même pas sortir. J'étais occupée, j'étais déjà en train de confectionner. C'était le lendemain et j'ai passé un appel et l'ADI s'est déplacé jusqu'à ma porte. D'accord. Alors, qui de l'ADI qui va commencer à nous parler? Qui nous parle? Allez, alors vas-y. La personne qui l'a reçu. Ah ben vas-y, présente-toi et explique-nous qu'est-ce qu'elle a dit. Yes. Alors ben moi c'est Thomas, directeur adjoint de l'ADI, ADI Guadeloupe. Alors ben qu'est-ce que c'est l'ADI exactement? On va déjà commencer par ça. L'ADI c'est une association qui permet d'aider les auto-entrepreneurs, donc les personnes qui veulent créer, qui veulent se lancer ou qui veulent développer leur entreprise. Donc tu disais tout à l'heure qu'il y avait des gens qui disaient voilà, personne ne peut nous aider. Non, à Paris il y avait des gens, ils ont loué le monde, on l'a petit frère qui a compté nous là, on l'a tissé, on l'a grincé, on l'a cousé, on l'a mouka qui bisait monter en entreprise, en créponobité, mais ils ont fait balader, aïe pas là, t'as raison, y'a pas de yo, y'a pas de yo, y'a pas de yo, y'a pas de yo, aïe pas aussi, y'a un long monde qui veut entreprendre. Mais il y a l'homme qui a trouvé les portes fermées, des barrières au royaume, vieille du pied. Eh bien, voilà. Donc, il faut savoir que l'ADI est là et l'ADI pareil de you. Exactement. Alors, expliquez-nous bien qu'il a dit. Écoutez-nous. Ok. Alors, l'ADI, en gros, on a trois casquettes. On est là pour vous aider, déjà pour vous financer. Donc, comme on a fait avec Nathalie, c'est-à-dire que Nathalie, elle nous a contacté, elle avait un besoin d'argent, besoin de fonds pour lancer sa production. Donc, nous, on a mis en place un financement pour l'aider à se lancer.
Donc on fait déjà ça principalement. Donc c'est un prêt à Zobaye. Exactement. C'est un prêt à Kadoua. Il faut bien expliquer ça. Il faut écouter nous là. Voilà, c'est ça. Parce que ni les mamans qui apprennent tout Simouna, ni les mamans qui apprennent tout Simouna, ni les autres Simouna qui regardent, ils ont quelque chose à dire. On peut vous aider à financer du matériel, du stock, des travaux pour un local. On peut vous aider aussi pour financer le premier mois de loyer du local. On peut vous aider pour tout ce qui concerne l'activité professionnelle. Donc, alors pour contacter là, il faut avoir quoi? Il faut avoir un téléphone, il faut avoir internet. Et une idée. Et une idée. Bon, alors, attends, Zébris. Zeb, nous allons faire une entreprise, hein? Là, déjà là. Non, mais c'est ça, il faut que tout le monde bien comprendre qu'il faut avoir l'idée. Et il faut vivre vos autres. C'est ça, exactement. Après, nous, on est au stade un peu plus évolué de l'idée. C'est-à-dire que si vous êtes au stade de l'idée, c'est un peu tôt pour venir nous voir. Nous, à ce moment-là, on va plus être juste après, au stade du projet, la mise en place du projet. Donc l'idée a déjà germé, vous avez l'idée en tête. Il faudrait pouvoir réussir à mettre l'idée sur le papier. D'accord ? Un vrai projet, quoi. Voilà, vrai projet. Et après, vivez-nous. À ce moment-là, si c'est difficile pour mettre les idées sur le papier, vous avez toujours la possibilité d'aller voir d'autres partenaires. Donc vous pouvez toujours venir nous voir et vous aurez toujours aussi la possibilité d'aller voir d'autres partenaires, des collaborateurs à nous. On travaille avec eux. À ce moment-là, voilà, on travaille en collaboration. Donc si on voit que c'est un peu tôt pour venir nous voir, on va vous renvoyer vers quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on est là pour vous accompagner. Donc ça, c'est la deuxième casquette, l'accompagnement. Et donc en gros, on a un accompagnement avant le financement et un accompagnement après le financement. C'est-à-dire, vous développez. C'est-à-dire, vous venez nous voir, vous avez un projet. Projet, je dis n'importe quoi, hein, coiffeur à domicile. Une personne veut se lancer dans la coiffure à domicile. Donc qu'est-ce qu'elle a besoin pour se lancer dans son projet? Bah, ils ont un boîtier, ils ont un matériel, ils ont encore... Voilà. Donc après, elle se dit, ok, moi j'ai besoin de 5000 euros pour mon projet. Bon, comment je dois faire, etc. En ICAP en moins, ok, pas ni problème. Bon, eh ben, je vais voir l'ADI. Et à ce moment-là, l'ADI, on va l'accompagner pour pouvoir mettre en place son projet. À lui dire, bon, il faut aller peut-être te déclarer à la chambre de commerce. On va l'accompagner sur ça. On va l'accompagner aussi sur comment calculer ses besoins. Elle a un besoin pour monter son projet de 5000 euros par exemple. Nous, on va l'aider à monter ça, d'accord ? À calculer tout ça. On va aussi calculer si le projet il est rentable. On va calculer, on va s'intéresser aux chiffres un petit peu. Je sais que c'est compliqué les chiffres, c'est pas toujours évident pour donc, tout le monde. Donc, on va vraiment accompagner Mouna. Exactement. Tout le long. Donc, avant le financement, l'idée après c'est de financer la personne, de l'aider avec de l'argent. Et après, on va l'accompagner sur tout le long de la durée de son entreprise. Après le financement. Et on a des bénévoles qui travaillent avec nous. On en a quelques-uns. On a cruellement besoin de bénévoles, d'ailleurs. Alors, on appelle pour appel, répondre. Allô ? Nous faisons appel. Allô ? Oui. Bonsoir, tu nous appelles d'où ? Oui, bonsoir, c'est Christian Gendy. Ça va ? Ouais, ça va. Moi, c'est pas bien. Yeah. Non, battez-la, t'es ni... Ou pas, t'es ni, allô ? Ah ouais, bon, c'est Paris qui vient de vivre. Oui, ça va? Oui. Bon, maintenant, on va mettre le matériel. Pourquoi pas faire pibonnet? Alors, il m'a dit pourquoi c'est à l'aile qu'on va faire massa, pourquoi on va faire pigan moulet? Parce que j'étais gênée, alors que depuis le confinement, je savais déjà que je devais faire ça. Et puis, pour tout vous dire, ça va faire bizarre. J'avais déjà créé une première entreprise en 2019, ce qui m'a permis de connaître l'ADI. Malheureusement, désolée, hein, le gouvernement guadeloupéen, j'ai été submergée lorsque j'avais créé mon cabinet par des charges, des surcharges, et d'hommes, etc. Alors que je n'ai même pas encore fait le développement, l'URSSAF me demande de payer, etc. J'étais dégoûtée, je ne voulais plus faire d'entreprise. Et puis,
comme j'avais déjà l'idée, parce que j'avais déjà déposé un brevet pour une visière, j'avais déjà l'idée, je ne voulais plus créer d'entreprise. Et ben, c'est bizarre, pendant que je dormais, je crois que Dieu m'a dit de ne m'inquiéter de rien et de faire et de présenter. Et c'est comme ça que, et après j'ai appris. Christian Gunn. Donc désolé pour le retard. Pour les jeunes Paris qui veulent le masque, comment ils vont faire ? Ah, justement, je dois négocier avec tout le monde et d'ailleurs, je prends du retard pour me faire connaître. Vous voyez, je suis là alors que j'ai des clients qui attendent des commandes. Eh bien, écoutez, je dois me rapprocher de la Poste pour savoir comment je dois envoyer parce que la Guyane me demande, la Martinique me demande, la Guadeloupe me demande, la France me demande. Je suis prête à faire pour tout le monde, mais mon Dieu, le gouvernement réagissait. J'ai besoin de vous. Je n'ai pas une machine adéquate. Mon matériel n'est pas adéquat. La DIM a donné le coup de main pour mettre le premier pied à l'étrier, mais j'ai besoin d'un bon pilier. J'ai une machine de ménagère tout le temps. J'ai retiré tous les clous pour retirer les résidus parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Des fois elle tremble, des fois elle saute. À 2h du matin, elle a sauté. J'ai besoin de matériel. J'ai besoin de vous. Venez m'aider. Venez me faire des propositions. J'ai besoin de vous. Je n'ai pas le matériel adéquat et tout est dans ma tête et tout est là et sur papier. Où vous voulez. Je suis là, je suis à votre disposition. Appelez-moi. D'accord. Ok, Christian. Il dit comme ça, arrête à lui. Il dit qu'ils sont petits entreprises, ils sont ouverts, ils ont une machine là qu'il faut, ils n'ont pas une machine professionnelle, ils ont une machine de cases, de ménagère. Qu'ils ont une machine là, et c'est là dit qui permet l'union au fond pour être ouvert. Donc ils ont les moyens nécessaires pour faire des grosses productions. Donc c'est pour ça qu'ils ont été là, pour demander les gens qui sont responsables à aider. Pour y payer, développer un entreprise. D'accord? Mais je vais envoyer. Mais que ça donne objectif à livrer en national, en régional, de tous côtés. D'accord? Mais, c'est bien. Oui. Oui. C'est moi qui ai dit là, Eh bien, justement, là, après l'émission là, il a senti important sa création. Donc, ça a impulsé en détermination encore supérieure à la détermination de la gagner là. Et qu'il aille vers les autorités compétentes, il a déplacé, il a frappé, il a dit moi qui ne pas, moi qui ne pas, moi qui ne pas, qui pas, machine à bord là, bise machine là. Ok? Boum! Télévision va marcher sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'amour! Oui, tout le monde avait masque là, tout le monde. Alors, déjà, on a parlé du masque, mais c'est, comment il s'appelle? C'est un masque, une visière ou c'est quoi le nom? Masque Yankiwa. Oui. Remontrez-nous. Est-ce que vous avez montré nous d'abord? Masque Yankiwa. C'est mon nom de famille, mon patronyme. Et le slogan? Ben, je ne sais pas encore, il y en a tellement qui fusent. Mais en fait, comme je ne suis qu'un instrument et que c'est un produit guadeloupéen, les Guadeloupéens, on va faire un vote. Hein. Chacun fait son slogan, tout le monde fait un slogan et puis on verra lequel qui... Why. Voilà. C'est pas Masque moi. Yankee. Ouais. Why. Voilà, on va le sourire et tout. Non, maman, tous les plateaux de télé, on a dû avant ça. Hein? Et les profs, je pense soldats. Même que Cyril Hanouna serait d'accord hein, pour ce masque dans TPMP. Hein? Qui est beau, faudrait bien peut-être lui proposer, hein, qui est beau et qui montre encore une fois que nous Guadeloupéens, nous connaissons faire des mitaires, que nous Guadeloupéens, nous pouvons faire des mitaires et qu'il faut nous aussi, là on va voir un jeune qui a fait des mitaires, eh bien, bye ballon, pas mettre ballon, ouais, pas mettre bâton, ouais, bye ballon. Donc, comme tu nous disais, tu as besoin d'employer les gens, tu as besoin d'ouvrir, d'avoir des machines professionnelles, donc tu voulais refaire un appel. Au gouvernement guadeloupéen, j'ai pas de machine. Mais quand tu dis au gouvernement, tout le monde chalise, madame, l'incertain. La région, le département. Mais faut bien, parce qu'il y a des matins, même ma compagne Guadeloupe. Alors, c'est à qui? À la région, au département, voilà, chalise, c'est voilà. Aux politiciens, aux maires, voilà. Et aux personnes qui peuvent peut-être contribuer au bien-être. Et aux investisseurs. Voilà. Est-ce que tu. Voilà. Non, parce que sinon, on va créer un paquet d'investisseurs. Est-ce que vous êtes d'accord de recréer un investisseur? Ah oui, j'ai besoin. J'ai besoin. Parce qu'il y a de la demande. Mais je pense qu'il y a des investisseurs qui sont là. Oh, on a une idée, c'est le moment, il faut plonger dedans pour aller loin. C'est simple. Il y a une demande, il y a un besoin. Tout le monde m'appelle, je ne peux pas tout faire toute seule. En quoi un appel? Allô? Allô? Allô, oui? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Bonsoir, j'appelle de Master. Le prénom? Nicole.
Nicole, on t'écoute. Oui. Alors, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Oui, alors je félicite l'entrepreneuse pour ce qu'elle fait. Et je trouve que c'est très beau, surtout que nous femmes, nous sommes coquettes et que ça permet de voir que nous avons notre rouge à lèvres, ça permet de voir notre beauté. Mais il me semble avoir vu dans une émission en métropole que cette matière-là n'était pas adaptée pour le Covid. Quelle matière? Le plastique? Le plastique. Alors, elle va te répondre. Vas-y. Alors, réponds-nous. Alors, bonsoir, madame. Oui, merci. Bonsoir. Tous les avis sont très intéressants parce que ça nous permet d'améliorer, de nous améliorer, de mieux faire. Alors, ce n'est pas du plastique, madame. C'est du PVC ou de l'acétate, deux matières que vous utilisez tous les jours dans votre cuisine. C'est dommage, j'ai pas mis mes lunettes, mais mes lunettes aussi sont en acétate, certainement les vôtres aussi. Nous avons des bijoux en acétate, nous avons des vêtements où il y a de l'acétate, où il y a du PVC, vous en avez chez vous, dans votre cuisine, sur votre balcon. Ce sont pas des matières, voilà, c'est des produits qu'on utilise même dans la cuisine. C'est pas du plastique, hein. Oui, oui. Le plastique, je crois qu'il est à base de pétrole. Est-ce que c'est cette matière-là qu'il faisait au départ ici, en Guadeloupe même? Est-ce que c'est la même matière qu'il faisait en Guadeloupe? Il y a une usine d'acétate en Guadeloupe. En PVC, est-ce que c'est ça qu'il faisait au début en Guadeloupe? Ah, je sais pas. Elle demande les visières en PVC, les visières. Ben, ça dépend. Est-ce que c'est cette même matière? Moi, je n'utilise pas les matières des visières. J'utilise le PVC ou l'acétate culinaire. Donc, c'est pas la même matière? Ben, je ne sais pas de quoi vous parlez, donc je peux pas vous répondre. Alors la famille Gadjou, ils ne savent pas en quelle matière ces masques-là qu'on t'a parlé tailler. C'est pas la même matière. Moi, je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas, puisque j'utilise de l'acétate ou bien du PVC culinaire. Culinaire, c'est pour faire à manger, madame. Oui, je comprends ce que vous dites, mais je voudrais savoir, est-ce que c'est la même matière que les visières? Mais je ne sais pas de quelle visière vous parlez, donc je ne peux pas vous répondre, madame. Je ne suis pas chimiste, hein. Je ne sais pas quelle matière qu'ils ont utilisée pour les visières. Il y a beaucoup de gens qui faisaient des visières. Ça que la famille TV savent, est-ce que ça a protégé du coronavirus? Oui, ça protège. La famille? Oui. Ou TV savent, est-ce que masque-là a protégé du coronavirus? Est-ce qu'il y a un homme? C'est ça ou TV savent? Est-ce que c'est même matière que ces visières-là? Parce qu'on voit en émission que ces visières-là, parce qu'il a protégé du Covid. D'accord. L'émission était d'où? Est-ce qu'elle était de la Guadeloupe? C'est une émission de qui côté, Kamadeo? Est-ce que c'est en Guadeloupe, en France? En France. En France. Avec les ministres, ils disaient que ça ne protégeait pas les lisières du Covid. Eh bien, ça, je ne sais pas. Mais par contre, je peux vous dire que moi, de toutes les façons, il n'y a pas que le PVC ou l'acétate, mais je peux vous dire que tout le reste est en coton. Alors, peut-être que sur les autres visières, il n'y avait pas de coton non plus. Mais bon, voilà, hein, vous voyez, c'est fermé. En fait, il faut que tu montres en haut parce qu'on ne voit pas, je pense, à la télé. Est-ce que tu peux montrer un masque du haut? Alors, voilà, comme ça, bien comme ça. Pour montrer qu'en fait que le masque il est fermé. Le bas n'est pas fermé. Non, mais le bas dépasse le menton. Ça dépasse le menton. Je veux fermer et d'ailleurs il est évolutif parce que je peux fermer, j'ai la matière pour fermer. Mais un médecin m'a expliqué que le virus il tombe. Qu'il ne faut pas fermer en bas. Et regardez, il n'y a même pas de buée. Normalement, on ne me parle pas comme ça. On me parle de buée. Madame, on m'a dit que oui, le virus, il est certainement dans l'air, mais il ne tourne pas. Il tombe. Il est lourd, le virus, madame. On m'a dit qu'il tombe. Il ne remonte pas. Et nous-mêmes, si vous vous sautez, vous allez voir, vous allez descendre. Vous pouvez jamais rester en l'air. Ah oui. Ben, je vous remercie de votre explication, mais je suis un petit peu perplexe, je pense pas que j'achèterai... Mais je comprends, madame, comme on dit, il en faut pour tout le monde, vous inquiétez pas, si vous êtes plus à l'aise dans un masque en tissu, il n'y a pas de souci, madame. Au revoir. Alors, qu'en pensez-vous qu'il était vestable, si masque-là homologué ou pas? Alors, il y a homologation et homologation. Si vous regardez les matières premières utilisées pour la conception du masque, le coton, le fil en coton, 100% coton, homologué. Tout ce qui est textile, je prends à Espace Couture. Il y a marqué 100% coton. Sans publicité. D'accord, 100% coton. Après, l'acétate et le PVC, mon fournisseur ne m'a pas encore donné l'autorisation de donner son identité. Donc, vous voyez, et tout est resserré après couture. Déjà là, tout ça là, il y a 5 couches. Et à l'intérieur de 5 couches de coton, alors, il y a encore de l'acétate. Ça, c'est qu'un masque évolutif. Il est évolutif. Et que, où soit-il commencé? Oui. Voilà. Alors, nous prenons notre appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir, tu nous appelles d'où? C'est Karafi, vous êtes petit beaucoup de loges. Ben, qui j'en, bonjour, je vous là. Et vous même entendre nouvelle, mais nous pas gêner. Nous j'en relevé. Oui, avec la grâce de Dieu. Avec la grâce, au petit monsieur va très bien, ça va. Le petit monsieur est guéri. Regardez, il
le ballon à l'aile là. C'est à l'aile qui parle même. Il y a un rouling. Alors, je vais crier Chica pour féliciter si madame là qui a fait ses masses là. D'accord. Mais il y a tout le monde au problème. Il y a tout le monde en biche. Il y a tout le monde aux difficultés. Quand tu as jalousie, c'est pas pareil. Alors, attends-nous. Écoute bien qui te parle là. C'est pas n'importe qui qui va. Ben nous, on vit des savants. Ah, c'est beau, Joche. Ou t'en nous, hein? Rébaille-lui encore. Et si vous voyez que Joche prend le téléphone pour parler, bah, ou? Elle comprend que c'est l'habitant 6-4 ou l'autre marqué ça, et tout, bah, ou l'autre parler, ben. Alors, on va dire pour madame, si ma petite fille, ouais, malheureux, parce que, pour que vous pouvez en l'eau en biche, prenez un montant, ça y est, on va questionner, ou? Bon, et moi j'ai là que fini qui fait l'été et bon, on peut poser des questions. Mais vous, que nous vous recouvrez, mais moi, à cap en force. Merci. À cap en force et à radio priété. Merci. Vous savez, ça a déjà commencé, madame. Hein? Ça a déjà commencé. Vous savez pourquoi? Pourquoi la peau en nous? C'est pour là qu'il y a trahi nous. Alors, à radio, bon force et bon courage. Merci. Et Chica? Oui! À radio, qui t'a ouvert son émission, elle est grosse. Alors, ça, comme là, nous avons Covid, et là, on est le bougon, nous la rannions l'âge, donc on s'est protégé, c'est pour ça qu'on fait. Mais quand salut, et bon, bisous! Comment vous faites? Nous, qu'est-ce que vous faites? On s'est fait connaître le numéro 1 parce qu'on vous aime, vous voyez, beau. D'accord. Parce que, regardez, après, on vous voyez, on vous voit, on vous voit, on vous voit. D'accord. Alors, nous vous aimons aussi, j'ai des bites pour vous imiter. Nous, qu'est-ce que vous faites? Depuis son bité, bah, bon, là, à présent, oui. Ok? Oui, pour nous faire son bité, pour nous faire bité, bah, il bosse, il bosse. Nous, qu'est-ce qu'il fait? Bon. Boum. Vous, chica, ça fait un bon courage. Merci. Maman, pour contraper maladie, là, mais maman, va veiller corps, oui. Veiller corps, hein? Oui, à veiller corps, oui. Où c'est mon impression, ma, ça, veille, ben, vint-il, ben, où? Mm. Où c'est mon impression? En sa prison, là. En sa, ça va, Georges. Et quand même, c'est vrai. Mais notre petit monsieur, mais ça allait être un ballon. Allait être un ballon. Nous ne pouvons pas aller trop. Ça, il comprend, ça, il ne va pas comprendre mal élevé. Il comprend pas mal élevé, mon Georges. Oui, oui. Ah, ben d'accord. Grâce à Dieu. Ah, ben d'accord. Oui. Et merci, hein. Bisous. Boum. Ah, ben voilà. Donc, nous allons retourner sur l'Adi. Hein. Alors, grâce à l'Adi, alors, avec qui vous êtes venu? Ah, je suis venu bien accompagné. Alors vas-y, on t'écoute. Je suis venu accompagné de deux collègues à moi. Donc, on a Malik, ici présent, tout à droite, et Johan à côté de moi. Donc, ils sont conseillers à Die, bon, sur des secteurs en Guadeloupe, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, faut nous dire, alors, c'est qui le secteur? Alors, Malik. Malik, on l'a eu présenté. Voici la caméra devant le micro. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Donc, je me présente, Malik Manius, conseiller à Die. Alors, moi, je suis sur la zone de Cap Excellence. Donc, Pointe-à-Pit, Abim Bemao. Voilà. Donc, d'accord. Du coup. Alors, quand on est là, parlez à tous les jeunes créateurs qui ont envie. Faites-vous comprendre qu'ils ont pire vie dans la que c'est possible. Ça, le rêve peut se réaliser. C'est pas au titre à une minute. Boum. Ah ben, justement, donc, pour tous les créateurs, pour toutes les personnes qui ont l'idée, qui ont le projet, qui ont déjà structuré leur idée, qui ont déjà une certaine fiabilité par rapport à leur idée et leur projet, ils ont besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce financier, qu'ils viennent vers nous. Alors, je dis financier, mais il y a, comme disait mon collègue, il y a aussi le côté accompagnement. Donc, à l'heure actuelle, nous avons des accompagnements en amont. Donc, je prends un exemple très simple. Vous avez une idée, voilà, vous avez un projet, mais vous ne savez pas comment créer l'entreprise, comment démarrer, comment fonctionner. On est là pour vous accompagner en amont. Donc, ça veut dire, dès le départ, nous pouvons accompagner les autres, même s'ils ont une idée là. Ensuite, les offres qu'ils ont une idée là, nous peut faire en sorte que justement l'idée là concrétisée, ils ont paré pour financement là. À un moment là, ça, ils ont l'a dit, pareil. Et les ont financement là, ils ont démarré l'activité là parce que nous, objectif en nous, c'est que Zoni, la priorité pour démarrer l'activité là, c'est très important. D'accord? Il faut savoir donc en activité, son bébé. Donc c'est petit à petit, c'est progressif. Donc sans besoin, c'est un financement pour démarrer l'activité à Zoni. Donc effectivement, nous là pour ça. Et ensuite, à l'issue de cela, pendant effectivement que Zoka a démarré l'activité à Zot et qu'a développé, à un moment là, ça aussi, nous peut accompagner Zot aussi. Que ce soit peut-être sur certains éléments, certains éléments qui sont difficiles, certains éléments par rapport à comment je vais faire pour faire entrer de l'argent, comment je vais faire pour me faire des bénéfices, comment je vais faire pour payer mon fournisseur. Donc, c'est là qu'accompagner vous. Attends, parce que l'émission a trop court. Franchement, faut en rêver. Là-dessus, quand tu veux. Faut nous faire partenariat avec l'émission.
solution là en nous voyez la dit et quand elle vient avec elle chercher voilà de façon il que copier concept là encore il a petit copier moi mais c'est pas comme ça créateur on va copier nous que faire orbiter par mois ou par orbiter ou au moins deux fois par mois nous que mettons une mission ou encore aussi inviter population là des petits jeunes qui n'ont pas l'idée à rentrer en contact mais nous en direct. Voilà, parce que pour montrer que c'est possible, parce qu'il n'y a pas qu'à parler, kalakata, et on va faire même pour la jeunesse. Alors nous, quand il y a des jeunes, sans qu'il y ait l'autre jeune, hein, qui n'y a pas entreprise en tête, mais il n'y a pas ni en main. Ça veut dire que l'idée est l'argent là, mais des fois il faut concrétiser l'idée. Donc, d'accord, oui, exactement. Je voulais juste rajouter quelque chose. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas comme une banque. C'est plus facile chez nous d'avoir des financements. Vous êtes pas si pité pour laisser mon âme. Regardez la caméra, même moi, c'est vrai. C'est plus rapide que les banques. On vous fait peut-être pas plus confiance, mais en fait, on va aller plus en profondeur avec vous. On va se déplacer chez vous, sur le terrain, sur votre lieu d'activité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi notre public cible, c'est les auto-entrepreneurs, les entreprises individuelles, mais aussi les personnes qui ont des fichages bancaires, pas de problème. Les gens qui sont bénéficiaires du RSA, pas de problème. Les bénéficiaires de Pôle emploi, pas de problème. Vous avez vu une voie. Donc, vous avez aidé tout le monde. Vous sentez, l'a dit, c'est combien le taux de pourcent? Alors, le taux de pourcent, il est à 7,45. 7,45. Combien de temps on y pourra pousser? 3 ans à peu près, et c'est sur des microcrédits. Donc on fait, en Guadeloupe, c'est 12 000 euros maximum. 12 000 euros ? 12 000 euros. Ça, c'est 12 000 euros là. Bon, hé hey. Zep, là, hé hey. Non, moi, je vais Brice. Nous, on va avoir un prison, on lâche, tu vois, parce que... Non, 12 000 euros là, Zep, nous, on va avoir un prison. Bon, nous, on va prendre appel, Oui. Allô, oui. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, tu nous appelles d'où ? Effectivement. Le prénom ? Victor, vas-y. Eh bien, je voulais juste solliciter la dame pour son travail. D'accord. Et juste ça. Et écouter Madame Roche. Et de ne pas se décourager et de foncer. Merci beaucoup, j'en ai vraiment besoin. Merci. Boudoum. Bonne force. Yes. Merci. Alors là, on appelle tous les entrepreneurs, tous ceux-là qui n'ont l'idée créée. L'a dit. Vas-y, présente-toi aussi. Ben oui, justement, j'allais rebondir sur ce que disait mon collègue, alors qui caméra qui a gardé ta lotte là. Yes. Prépare-le parce qu'on sait quoi, Nicolas, ouais, avec tous les meilleurs oui. Voitures, parce que ça l'a dit. Jeune l'action. Bon, justement. J'espère qu'on m'entend bien avec le masque, donc c'est pas. Oui, attends. C'est pas celui de Nathalie, mais c'est celui d'une autre cliente de l'ADI aussi. Et alors, donc, je vais rebondir sur ce que disait mon collègue. Sur le côté, on accompagne les porteurs de projets avant la mise en place de leur projet. Donc, moi, je suis conseiller ADI avec une casquette un peu particulière. C'est que je mets en place des formations pour les créateurs d'entreprises, enfin en tout cas ceux qui ont un projet de création d'entreprise, pour leur permettre d'aborder toutes les thématiques de la création d'entreprise, à savoir eux-mêmes derrière leur projet, toute la partie études commerciales, toute la partie construire son prévisionnel financier, le choix des statuts juridiques, toutes ces choses-là, y compris aussi la communication avec les outils digitaux, toutes ces choses-là, on les aborde et c'est un programme en fait qui s'appelle « Je deviens entrepreneur ». Alors nous pourrons bailler tout parce qu'elle nous dit nous allons faire ça c'est les meilleurs. Nous allons bien détailler ça. Ouais. Nous allons appeler, nous allons Panibou. Et après on va présenter les deux entrepreneurs qui sont venus vous accompagner. Allô? Allô? Oui, bonsoir, tu nous appelles d'où? De Paris. Paris, le prénom? Paris. Le prénom? Génie. Alors ça va? Très très bien. On t'écoute, vas-y. Ben, moi, je t'appelle juste vous de faire un grand coucou. Merci. À toi personnellement. Oh. Merci beaucoup. Pour Big Force, pour ça, on va faire là. Merci, la famille. Parce que là, je vous vois assez souvent, allez, qu'on s'en parle de lui, pour déjà minuit, mais encore à l'éviter les moins de Radio, ça est déjà minuit. Qui est là? Oui. Et attends, moi, vous savez exactement. En radio, il est. Oh, attends, il est minuit moins 5. Ah bon? Minuit moins 5. Parce qu'il y a des gens qui ont des démons. Pourquoi on y démonte? Parce qu'on sait qu'il y a un lourd monde en France, pas qu'à y dormir. Donc on y en est de Paris, parce qu'on a respecté, estimé. Toutes ces mounes qui ont suivi moi là, parce que sans yo, on partait à rien et on y en est de Guadeloupe. Là, on va voir, à gauche, la main du cœur, c'est l'heure de Paris, mon petit tout le monde. Il est moins 3. Moins. Je veux que tu saches que j'appelle vraiment pour toi, parce que j'apprécie énormément le travail que tu fais. Merci. Pour passer notre pensée, tout simplement. Eh bien, merci la famille. Big up. Boum.
Eh bien voilà, donc à vrai, à part des bottes inutiles, ouais. C'est pour en connaître, parce qu'il faut nous respecter, les rapports des autres. Tous ces gens qui partent dormir là, des gens qui travaillent, ils sont là, mais ils sont connectés, ils sont avec nous, l'amour des autres. Alors, qui tu nous présentes? Alors, on peut continuer sur Luc. Donc, Luc Nemorin, je te laisse te présenter. Luc, ah, Luc, Jean, regarde la caméra, la présentez-vous. Eh bien, moi là, moi toujours là. Alors, qui vous nouillez, quand on a fait? Eh bien, moi, mettre en place, moi, qu'a fait jus local. Jus local? Jus local, peu, mais c'est petit fruit à pays là, quoi. Vrai jus local? Vrai jus local. Qui nous a marqué à jus? Lucos, jus local. Lucos, jus local. Lucos, jus local. Oh là, on peut trouver. On peut trouver ça à Dieu et tout partout en Guadeloupe. Tout partout en Guadeloupe, je l'ai retourné. Pas dire tout partout pour l'an, je sais qui côté exactement, dans les magasins. Pas... Non, pas dans les magasins, mais on veut dire ça, quand on est en contact avec des gens, on va chercher le GIO, quand on fait le GIO aussi, on dit que c'est le GIO, ça pour moi faire le GIO. Donc, pourquoi faire pas un 5 litres, pas un 10 litres, qui a ça fait? Par 5 litres, 10 litres, on fait un paquet de litres, un paquet de jus. C'est ça ou vie? Ça, on a fait, c'est ça qu'on va y. Même si on veut faire un anniversaire marié. Il n'y a fouillé avec un bon fil, un café jus là-bas. C'est fouillé, et puis fouillé en nous-mêmes. Donc, qui n'a pas le jus là? Lucos, jus local. Là, on voit Lucos, jus local à côté, c'est Monsieur qui derrière nous ça. Alors, qui j'ai envie de connaître la DI? La DI, on vient de connaître la DI. C'est la DI qui vient de connaître moi, en fin de compte. Oui, dis-moi ça encore. C'est la DI qui vient de connaître moi. C'est Monsieur qui derrière nous ouais. C'est Monsieur qui vient derrière nous. Cherchez moi parce que vous voyez que ça, c'est un bouquin important. C'est ça qui a fait passer bien. Et qui a ça passé? Racontez-nous ça. Et là, regardez, il est venu au moins pour aider en disant, on sait bien, c'est quoi aide. Putain, là, regardez, dis-moi, aide entre entrepreneurs pour aider moi à projet. Moi, je dis, ah, ça va tout mettre comme une passion, aide dans tes besoins. Et du coup, nous venons, nous parler. Est-ce qu'il y a aidé vraiment? Il y a aidé moi-même. Est-ce qu'action là, t'es gagné ma wall? Action là, fait tweet. Parce que pendant nous là, nous, 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 carré, 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 nous, 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 entreprise, mais tu pas peur aller hein. Et fais ça au café. Pas gagner à gauche quand t'as la cadille, quelle est que t'as la cadille, quelle est que t'as. C'est fait, il y a là pour aider. Donc il y a aidé financièrement, il y a accompagné aussi, il y a des idées, il y a des médias administratifs, tout est carré. Tout est carré, carré. Bon, alors Jodla, là, ou pas venir avec Jila. A pas venir Jila. Mais prochaine émission là, ok, venir avec Jila pour tout le monde avec Jila. Mais oui. D'accord. Alors présentez-nous. Oui. Vas-y. Allez-y. Alors moi, je suis aussi une entrepreneuse en fait. Oui, alors qu'est-ce que tu fabriques? Ah moi je ne fabrique rien du tout. En fait, moi je suis créatrice d'entreprise. Donc je suis dans la gestion. Explique-moi tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu crées les entreprises pour les autres alors. Voilà, donc moi dans mon activité en fait que j'ai commencé l'année dernière, donc je fais des créations d'entreprise. Donc je suis dans la gestion aussi, dans le suivi des entrepreneurs. Et dans tout ce qui est paye et droit social. Donc ça veut dire qu'en fait tu accompagnes les entrepreneurs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et alors, ça c'est mon activité et je suis aussi bénévole à l'ADI. Voilà, donc j'ai voulu faire du bénévolat utile. Donc j'ai décidé en fait d'aller à l'ADI pour accompagner bénévolement des porteurs de projets en fait. Donc tu bénévolement, tu accompagnes voilà. Les autres. Voilà, on appelle ça comment? De... Non, plus de la contribution. Plus de l'amour. De l'investissement. Plus fort. De l'amour. De l'amour. Mais c'est ça, nous, c'est là. Ça, c'est une belle preuve d'amour. Donc, tu es là, là, dit bénévolement, pour accompagner les auto-entrepreneurs. Voilà, c'est ça. Donc, ça va être tout, fait tout papier administration, tout cas, il débat. Voilà, et en fait, je fais aussi des formations, en fait. Donc, moi, je forme sur tout ce qui est gestion d'entreprise. Voilà. Et alors, oui. Regarde la caméra, parce que une minute, parce qu'on va finir, malheureusement, on est déjà arrivé. Pour parler pour tous les porteurs de projets qui ont peur, des fois ils se sont fait malmener, ils ont mené le projet là tel côté, ils ont déçu, ils ont foutu le projet là en bas en banne, ils ont foutu le projet là aujourd'hui. Mais faut vraiment nous revenir, tu crois. On est plein bitardi, il faut nous revenir, c'est vrai. Mais on va dire prochain. Okay. Et on va sélectionner un porteur de projet aussi, nous avons contre les autres. T'es d'accord? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, Paul, allez, vas-y. Alors, moi, je conseille à tous les porteurs de projet de venir à l'ADI. Alors, c'est où l'adresse, le numéro de téléphone, contact? Alors, ben, je pense que... On a l'agence à Pointe-à-Pitre, voilà. 12 rue Gambetta, c'est à côté de la place de la Victoire, donc en face du collège Michelet. On a l'agence aussi à Basse-Terre, rue Baudot, 46 rue Baudot. On a également l'agence à Mornalo, à Pointe-Arrêt.
Voilà. Après, on a des permanences ci et là. On a des permanences à Marie-Galante, par exemple. On a des agences à Saint-Martin. On a des agences partout. Et on peut se déplacer. Et on se déplace. On se déplace facilement. C'est ça notre. Bon, mais en quoi dit Joka Vini avec des autres porteurs de projet ou qu'est-ce qu'on fait? Oui. C'est vous, hein? C'est pas tout de venir. Non, parce que moi, il y en a pour ça m'habiter. Et déjà, on besoin de présenter une formation là, ça. D'accord, pas de problème, que... nous là. Bah, nous autres habiter. Allez comprendre qu'elle est là. Devant la Guadeloupe entière, la France nous a gagné nous. On va signer une convention avec les autres. Pourquoi? Il n'y a pas de souci. Une convention morale. Parce que moi, je vais aider le pays. Moi. On sait qu'il y a un lot jeune. Quand il y a comme un bâton en royaume. Moi-même, ça arrive, moi. Il y a un gars qui a gagné, moi, je Yo la chien en merde. Parce que depuis tout petit, on fait pas trop moi. Mais comment ça se donne ninja? Ça se dépend là. Puis comme ça, ça se donne à champion. Faut que man n'aime. Pas vraiment là. Eh, qu'on les regarde. Tout. Eh bien voilà. Ensemble, nous avons l'autre jeune qui n'y a des projets. Nous avons l'autre jeune qui j'a dégoûté aussi. Parce que les gens couillonnés, voler l'idée à yo. Nous avons l'autre jeune aussi. Les patrons, on va pas les patrons. Payez ces bougas. Là, on va travailler, bye. Oh, avant ça, qui a moi? Là, mon travail, bah, payer. Les contrats. Surtout, ça va me faire contrat. Arrêtez de faire faux papiers aussi. Voilà, faux déclarations. Voilà, arrêtez ça. Après, ça va être cette jeune-là mauvais. Cette jeune-là, j'aime ni mal. Parce que depuis, j'ai accouillé les grands-pères à yo. J'ai accouillé les papas à yo, maman à yo. J'ai accouillé les grands-mères. Allez, j'ai accouillé yo, c'est pour animal. Mais on carré. Comme on disait les anciens, mettez au bien pour les gens faire au bien. Mm-hmm. Ok? Arrêtez de voler l'idée à cette chaîne-là. Encadrez-yo! Parce qu'il y a un lot, un lot, un lot, un lot qui nous déproche. Et franchement, à Big Up, nous applaudissons. C'est la fin. Hein? Redonne ton numéro de téléphone pour les masques. 06 90 50 37 32. Au pire, je suis dans le bottin. Redonne ton numéro de téléphone pour les jus. 06 90 58 82 37. Je suis à Dier. Qui numéro est là? Lucas, jus local. Piu piu. Ok, donc mercredi prochain, nous qui avons lundi avec d'autres auto-entrepreneurs. Mm-hmm. Et nous qui mettons des informations là parce qu'on sait qu'il y a un long monde qui nous projette. Un long monde qui disait ça. Ok? Boudoum, l'amour. Boudoum. Yes, laisser au sud une belle richesse à qui